Bon, hein, il faut vraiment que je fasse le ménage chez moi là, ça va pas du tout, vraiment. Je peux pas commencer 2022 dans cet état là. Et encore, hein, franchement ça fait un mois que mon appart il est tout propre. Mais là, ces derniers jours, j'avais beaucoup trop de choses à faire, vous voyez, je pouvais pas tout gérer en même temps. Donc comme on est le 3 janvier aujourd'hui, je me dis ça va, il y a que 3 jours depuis le début de l'année, je peux m'en sortir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout ranger. J'ai un colis à récupérer à la poste, je sais pas du tout ce que c'est, franchement les gars, aujourd'hui. Ça va être un peu d'organisation, mais on va faire ça. Je sais pas pourquoi je m'assois, parce que faut que je me lève pour ranger en fait. En fait j'ai déjà la flemme. Mais 2022 on a dit on n'a pas la flemme. Donc c'est parti. Là, il y a rien qui va là. Bon, le snowboard de monsieur là. Comment vous dire que ça me dérange. J'ai vraiment très peur de ce que je vais. Oula. J'ai vraiment très peur de ce que je vais découvrir. Oh, une chaussette. Ah non, un élastique. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte là. Bon, ce que vous venez de voir reste entre nous. C'est bien parce qu'on n'est pas genre 160 000 sur cette chaîne YouTube. Genre, je dis, bon, ça reste entre nous. C'est pas comme si genre plus de 5 fois le Stade de France pouvait potentiellement voir cette vidéo. Mais bon, je vous fais confiance, ok. Par contre, là, on va faire un truc extrêmement satisfaisant. J'espère que vous êtes prêts. Oh là là. Oh, c'est satisfaisant. Lundi ou. Il y a une cuillère. Une petite update au niveau de l'appart rapidement parce que j'ai l'impression que ça fait ultra longtemps que je vous ai pas montré mon appart. Déjà ça fait trop du bien, mon salon est enfin complètement rangé. Donc ça à la base toutes les affaires d'un pote à moi, donc pour l'instant ça reste là, il faut qu'il aille les récupérer, j'ai pas d'autre endroit où les mettre. Mais voilà, tout est clean, c'est vraiment ultra satisfaisant. Et ça c'est nouveau, je vous l'avais montré sur Insta en story. En fait c'est des fleurs éternelles et moi j'avais choisi la couleur grise foncé, comme ça il y a plein d'autres couleurs et je trouve ça vraiment incroyable, genre ça habille vraiment la table. Alors il est peut-être un tout petit peu grand, mais en vrai genre si vous avez une grande table à manger ou des trucs comme ça, je pense que ça peut vraiment être super beau. Là j'ai pris un velvet noir, mais pareil il y a du blanc, du marbré, du rouge, du rose, du transparent aussi, enfin bref il y a plein de couleurs et je trouve que c'est vraiment trop joli. En fait ça vient de chez Rose Forever et en fait c'est des roses qui fanent jamais, donc si jamais vous êtes comme moi et que vous savez pas vous occuper de plantes, bah franchement tournez-vous vers ce genre de choses parce que bah vous avez juste pas besoin de les arroser. En fait là ça va faire
2 semaines que je les ai reçues à peu près. Et ça reste ouvert tout le temps. Et vous voyez, elles sont vraiment comme neuves, entre guillemets. Donc là, j'ai pris gris anthracite, mais je trouve ça vraiment trop joli en fait. Anyway. Après, sinon, en vrai, il n'y a pas grand chose qui a changé dans l'appart. Hein. Je vous avais à peu près tout montré dans mes vlogs. Il faut que je remette mes cadres droits, mais je vous jure que j'y arrive pas et ça me saoule. Dans tous les cas, comme je veux déménager bientôt, en vrai, j'ai pas envie de faire plus de trous que ça. Donc ça va rester comme ça. Désolée. Et sinon, au niveau de ma chambre, bah, c'est pareil, il n'y a pas grand chose. Ah merde, attendez, j'étais en train de regarder une vidéo. Hop là. Dans ma chambre, il n'y a pas grand chose qui a changé en vrai, à part le portant et mes chaussures qui sont là, et genre mon bureau, rangement make-up qui est ici. En fait, vous voyez, c'est pour ça que je veux vraiment déménager, parce que j'ai vraiment pas beaucoup d'espace pour travailler. C'est-à-dire que là, ma coiffeuse me sert de bureau, de tout ça, donc c'est pour ça que ça paraît un peu le bordel aussi, mais j'ai pas d'autre choix, parce que bah dans ma chambre en fait je peux littéralement pas mettre de bureau. Je pourrais en mettre un là, mais non seulement il y a mon radiateur, mais il y a ma fenêtre, enfin bref, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc vivement que je déménage. Unboxing, je suis trop contente. C'est Beauty Bay qui m'a envoyé un colis énorme. En fait, je savais qu'ils allaient m'envoyer un colis, mais je me souvenais pas du tout qu'ils allaient m'envoyer maintenant. Donc c'est un peu Noël après l'heure là. Déjà, si vous connaissez pas Beauty Bay, c'est le Sephora en ligne avec plein de marques anglaises, américaines et tout. Franchement, c'est incroyable. Je commande tout le temps mon make-up là-bas et ils se lancent dans le skincare. Donc, je suis trop contente parce que là, tout ce carton là, ça va être uniquement de la skincare. Et si vous me suivez sur ma chaîne, peut-être que bah non, en fait. Vous savez pas, mais j'adore les produits de soins. Wow, il y a tellement de trucs. En fait, je pense que vous vous rendez pas compte, genre. On dirait un swap. Attendez, je vais vous montrer. Il y a un carton dans un carton, c'est une blague. Et regardez tout ça. Oh. Mais attendez, les gars, pousse. Ils m'ont envoyé du maquillage aussi. Et là il y a quoi? Oh là là, attendez, mais c'est Noël là. Attendez, attendez. Bon, on voit pas très bien, mais le principe c'est de voir les produits. Vous voyez peut-être pas non plus très bien les produits, mais déjà j'ai reçu un sérum Balancing and Boosting Skin All Skin Type. Donc c'est un sérum pour toutes les peaux. Je vais passer quand même assez vite parce qu'il y a pas mal de choses. Donc là on a un sérum balance pour balancer le teint. Je sais pas comment vous traduire ça en français, mais je pense que vous avez compris ou pas. Ensuite là on a un sérum hydratant, pareil pour tout type de peau. Ici on a un sérum, c'est écrit clarifying, donc un sérum clarifiant, un sérum nettoyant, je sais pas. Bref, pour toutes les peaux. Donc on a 3 sérums de la même gamme. Ensuite on a un gros truc là, cleansing gel for rebalancing and refreshing skin. Mais attendez, parce que je crois que vous voyez pas et ça m'énerve parce que j'ai vraiment envie que ce haul soit génial. Vous vous rendez pas compte? Est-ce que là on est mieux? Je reprends. Donc on avait les 3 sérums. Dans tous les cas, évidemment, je vous ferai des vidéos à ce sujet quand j'aurai bien testé. Ensuite on a un gel cleansing gel, donc un gel nettoyant pour rafraîchir et rebalancer la peau. Vous voyez, j'ai même pas les packaging, j'ai trop envie de voir à quoi ça ressemble. Oh, j'adore. Oh, c'est tellement satisfaisant. C'est des bouteilles toutes simples comme ça, j'adore. Mais vous savez que j'ai vraiment trop hâte de tout tester. En plus, je sais pas si vous vous souvenez, dans un des vlogs, je vous disais que j'avais des problèmes de peau ces derniers temps. Enfin, j'avais de l'hyperpigmentation et tout. Du coup, j'ai vraiment trop trop hâte de voir. Oh là là, j'adore. J'ai vraiment un problème. Mais en fait, j'adore les packaging quand ils sont neufs, quand ils sont tout propres et tout. Genre, j'ai vraiment un problème. Ensuite, on a Face Mist, ça je crois que c'est un spray visage et c'est fait pour rafraîchir et hydrater la peau. Je me suis défoncé l'ongle dans le bus la dernière fois. J'ai plus d'ongle de pouce. Est-ce que ça sent quelque chose? Ah, ça sent vraiment le frais, genre le truc vraiment hydratant. Je me demande s'il n'y a pas de l'aloe vera dedans. Ah oui, déjà ce que je vous ai pas dit, un des trucs les plus importants, c'est que tout est cruelty free. Toute la gamme est cruelty free et vegan. Ensuite on a Peeling Solution Drops. C'est des gouttes pour tout type de peau. Peeling, c'est ce qu'on peut enlever, donc je pense que c'est un truc vous mettez sur la peau et ensuite vous pouvez l'enlever et ça enlève les impuretés, je pense. Ouais, c'est exfoliant et ça enlève l'excès d'huile, enfin de sébum, je pense, de la peau. Donc voilà, j'adore. Mais je suis fan des packaging, genre c'est trop beau. Ensuite, on a un hydratant, protéger et hydrater la peau. Donc ça, je pense que ça a l'air d'être une sorte de crème de jour. Moi, j'aime trop, c'est une formule gel comme ça. Oh, mais c'est trop agréable. Ça sent super bon. En fait, quand ça sort du flacon pompe, c'est vraiment crème. Mais plus tu l'étales, j'ai l'impression plus ça fond. Je sais pas si vous voyez. En fait, ça se fond trop bien dans la peau. Ouais, mais ça, je vais adorer. Et c'est pas collant. Ensuite, on a ça. Alors, Rich Moisturizer. Donc là, c'est un hydratant riche, du coup, si j'ai bien compris. C'est dans un petit pot comme ça. J'ai trop envie de tout ouvrir. Oh, ok.
D'accord. C'est vraiment une crème ultra épaisse, limite une crème pour le corps, vous voyez. Bah ça se trouve c'est pour le corps en fait. Donc c'est hydratant et replenishing skin. Je sais pas ce que ça veut dire. Pour les peaux normales à sèche. Et je viens de voir, là en fait il y a un QR code. Et je crois que, en fait sur chaque produit vous avez un QR code. Ça vous donne plus d'infos sur le produit. Et aussi pour la manière dont vous pouvez recycler aussi les peaux. Donc tous les emballages sont recyclables. C'est incroyable là, attendez les gars, attendez. Et là on a hydrating eye treatment. Donc ça c'est une crème pour les yeux. Comme ça, c'est pour hydrater et illuminer le dessous de l'œil. Donc là pareil c'est pour tout type de peau. Et c'est pas fini hein, parce que non seulement il y a encore le gros paquet là, mais en plus du coup, c'était pas prévu je crois, ils m'ont envoyé plein de produits make-up. Donc qu'est-ce qu'on a là? On a Plumping Lip Gloss, donc là on a un gloss repulpant. Oh là là, le packaging les gars, je sais pas si vous verrez très bien. Il est incroyable. Peut-être que demain je me maquillerai et je testerai un peu tout. Mais en tout cas j'ai trop hâte. Ensuite là on a Liquid Crystal Eyeshadow Trio. Donc on a un trio de fard à paupières liquide. Je mets pas beaucoup de fard à paupières de base. Enfin je mets juste du marron, vous voyez, un peu de paillettes. C'est vraiment basique de ouf. Mais du coup j'ai pas trop l'habitude des fards à paupières liquides. Donc là je suis grave curieuse de voir. Mais en fait j'ai l'impression que vous voyez rien. Mais il est incroyable. Attendez. Mais celui-là je vais le quitter. Oh putain. Attendez. Mais je sais pas si vous vous rendez compte des couleurs. Genre lui là, genre c'est un orange mais avec des paillettes roses. Lui c'est un violet avec des paillettes bleues. Et lui c'est un mélange des deux. Oh mon dieu, attendez, là par contre faut que je swatch. Oh là là, vous savez que c'est le genre de produit, vraiment je peux mourir pour ça. Parce que en fait je me maquille vraiment ultra simplement tous les jours. Du fard à paupières marron, un peu de paillettes justement. Et eyeliner, mascara et c'est tout, vous voyez. Mais genre c'est trop le genre de produit qui est ultra pratique. Parce que tu t'emmerdes vraiment pas, genre. Oh, celui-là il est trop beau. Vous voyez, il est rose mais il a des reflets bleus comme ça. Oh là là. Ah mais c'est déjà sec. Ah oui d'accord, en fait c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment un top coat. Mais par contre je vous jure que je frotte super fort et il s'enlève pas. Mais vraiment ça là les gars, je vais kiffer. Et ensuite on a un highlighter poudre. Oh là là, alors ça c'est vraiment, je crois c'est un de mes produits préférés dans le make-up. Il a l'air incroyable. Mais regardez s'il vous plaît. Mais vous voyez même pas en fait. Genre là là c'est à la lumière. Et sans la lumière c'est comme ça. Je sais pas si vous vous rendez compte. Est-ce que je swatch? Et j'aime trop parce que, je sais pas si vous verrez mais il est ultra fin genre. Et il y a 4 grammes dedans. C'est la teinte Bim je crois. Oh lolo. Vous voyez ça c'est sur le doigt. Oh je vais le kiffer. C'est vraiment le genre de couleur que j'aime trop. Putain j'ai pris la pire main. C'est vraiment le genre de couleur que j'aime trop avec mon teint. Parce que bah là vous voyez j'ai à peu près le même genre de couleur. C'est des couleurs vraiment champagne, gold. J'aime pas trop les highlighters rosés vous voyez. Celui-là je vais le porter de ouf c'est sûr. Ensuite là on a Lip Liner Quad. On a 4 crayons à lèvres. C'est des couleurs que je mets pas trop en vrai par contre. Vous voyez c'est des couleurs très rouges, très foncées. Et c'est vrai que je mets jamais de couleurs foncées. Mais après en vrai s'ils sont bien ça peut faire. Je vais juste en swatcher un. La mine elle est comme ça. Alors je dirais pas que c'est crémeux. C'est définitivement pas crémeux. Par contre c'est ultra pigmenté. Et je pense qu'avec ça vous pouvez vraiment être ultra précis. Powder blush. Donc là on a un blush poudre qui a l'air d'être du même format que l'autre là. Il est grave beau. Oh, vous savez il me fait penser à quoi? Il me fait penser au orgasme. Mais je crois que je l'ai. Mais lui il est quand même beaucoup plus pêche. Ok vous voyez lui il est beaucoup plus pêche. Mais il a les mêmes reflets. En gros il y a plein de reflets dorés. Ça c'est pareil, c'est le genre de couleur que je peux vraiment kiffer hein. Ça peut être pas mal je pense pour bien blender on va dire. Vous voyez. Là on a matte lipstick quad. Donc là je pense que c'est les rouges à lèvres qui vont avec les c'est pas du tout les mêmes couleurs. Donc là c'est des rouges à lèvres. Et ça me fait penser un peu au packaging Ren Beauty vous voyez. Donc j'ai la couleur tea qui est comme ça. Oh là là la couleur. On a la couleur cola sur les peaux mates ou foncées. Il peut être incroyable. Mais ça c'est pareil, c'est pas trop le genre de couleur que je mets. Ensuite on a la couleur freckle qui a l'air d'être un beige. Ouais. Oh là là, la couleur elle est trop belle. Waouh, c'est super crémeux. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de mettre des rouges à lèvres comme ça. Enfin, je préfère plus, vous savez, les formats gloss un peu au niveau des rouges à lèvres. Mais là, elle est incroyable la couleur. Et la dernière, du coup, c'est la teinte Pinch. Qui est pareil, un nude comme ça, mais assez foncé quand même. Donc voilà, putain, j'ai plus de batterie. Je vais essayer de finir avec ça. Brush Up Brows. Donc là, ça a l'air d'être un truc pour les sourcils. C'est un savon à sourcils. Oh là là, mais regardez le packaging. J'adore. En fait, je pensais que c'était l'opercule. Mais en fait, non, c'est le produit à l'intérieur qui est complètement transparent. Je vais recharger mon appareil photo avant que ça s'éteigne et je vous montre la suite. Au final, il s'est passé genre 5 minutes. J'ai testé des produits, franchement, j'avais trop envie. Du coup, regardez mon teint. Mais genre, j'ai rajouté le blush et l'highlighter, les gars. Le blush,
incroyable, vraiment. Je trouve qu'il dépasse le Orgasm de NARS, mais à 2000%, genre c'est vraiment les couleurs que je kiffe. Et au niveau des lèvres, du coup, j'ai mis le Freckle comme ça. Et comme j'avais pas de crayon à lèvres de la même couleur, enfin il y avait que des crayons à lèvres foncés, du coup j'ai mis mon habituel Sephora en teinte Pink Tea. Voilà, je le mets tous les jours, incroyable. Ah oui, et aussi j'ai mis le gloss repulpant. Je sais pas si vous, ça vous fait la même chose des fois avec les gloss repulpants, mais ça brûle, vous voyez. Et celui-là, en fait, on a vraiment le côté frais, genre comme si en fait vous venez de manger un chewing-gum à la menthe et vous en avez mis sur les lèvres. Je sais pas si vous voyez le délire. Mais du coup, je trouve que ça pique vraiment pas comme les autres. Par exemple, j'avais testé le Too Faced. En fait, il brûle les lèvres. Vraiment, c'est horrible. Et dès que tu t'en mets un peu sur la langue, laisse tomber, t'as l'impression de mourir. Que là, je trouve que sur celui-là, il y a plus le côté frais et je préfère à 2000%. Après, du coup, c'est que les produits que j'ai testés en vite fait. J'ai pas voulu faire un make-up de ouf. Mais franchement, trop contente. Du coup, on va regarder le reste. J'espère que vous voyez bien. Je suis désolée, j'ai l'impression que la lumière, elle est horrible dans cette vidéo-là. But anyway, alors là, il y a deux produits. Une huile nourrissante, Distressing and Conditioning Skin. Je kiffe les produits en pipette, je trouve ça trop satisfaisant, vous savez, fait. De toute façon, dites-moi dans les commentaires quel type de vidéo vous voulez que je fasse avec tous les produits là, parce que j'ai vraiment envie de les tester, de vous en dire vraiment mon avis précis, on va dire. Voilà, et là c'est... Oh, trop bien! J'ai une gua sha. On voyait ça partout sur TikTok à un moment donné. Attendez, parce que là... Et en fait, j'avais testé une de chez Amazon et je crois que j'arrive pas bien à l'utiliser. Donc... Oh là là, le packaging, les gars, pas mal. Ça n'a rien à voir avec la qualité de celle que j'ai achetée sur Amazon. Hein. C'était très satisfaisant. Mais attendez, mais les gars, c'était pas prévu ça dans le contrat. Ils m'ont envoyé deux palettes. Genre je regardais les vidéos d'Ayo Coralie et tout avec ça. Après, comme je vous ai dit, je me maquille pas beaucoup les yeux. Enfin, je mets pas beaucoup de couleurs hyper colorées sur les yeux. Mais j'ai vraiment envie, en fait, en 2022, de m'améliorer à ce niveau-là, de tester un peu plus. En fait, ils me connaissent trop. Regardez la palette qu'ils m'ont envoyée. Mais les gars, s'il vous plaît. Mais c'est littéralement toutes les couleurs que je mets. Et il y a un miroir. C'est tellement rare sur ce genre de grosses palettes. J'ai toujours rêvé de vous faire des vidéos crash test et tout de produits. Bah franchement, là, je suis servie. Et du coup, on a la Fieri 2.0. Oh, je suis trop fan. J'aime trop ouvrir des nouveaux packaging comme ça, là. Elle est quand même assez épaisse comme palette, je trouve. Enfin, après, encore une fois, je la compare avec les palettes que j'ai déjà. J'ai la, du coup, la James Charles. Elle est quand même vachement épaisse. Mais what? En fait, j'ai toujours peur avec les produits pierres, vous savez, les produits qu'on envoie aux influenceurs et tout, et notamment à ceux qu'on m'envoie, parce que j'ai toujours peur en fait qu'on m'envoie des trucs que je vais pas utiliser tout simplement, et ça fait souvent du gâchis. Mais là, ils ont trop bien choisi, genre. Parce que là, vous voyez, c'est quand même une palette colorée, on va pas se mentir, mais c'est des couleurs que je peux grave porter. Mais les irisés, ils ont l'air incroyables, je sais pas si vous voyez très bien. Genre le orange là. Et ce pourquoi je voulais vraiment craquer sur les palettes Beauty Bay, c'est qu'elles sont pas chères. Ça reste un prix forcément pour du make-up, mais quand tu compares avec des produits que tu peux trouver à Sephora ou des trucs comme ça, je crois que les palettes elles sont à 20€. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais elles sont vraiment pas chères pour le nombre de fards que t'as dans la palette. Donc franchement, j'ai trop hâte de les tester. De toute façon, stay tuned parce que je vais vous faire une vidéo. Donc merci beaucoup. Bah, je sais pas si je pense pas qu'ils passeront par là, je sais pas. Mais en tout cas, je suis trop contente de tous les produits. Et merci du coup à vous qui regardez cette vidéo, parce que c'est grâce à vous aussi que je peux recevoir des produits gratuitement. Donc voilà, j'ai trop hâte de vous faire la vidéo crash test. Du coup, restez connectés pour cette vidéo. Ce sera sûrement la prochaine vidéo qui sortira après celle-ci. Incroyable. Bon, il se fait quand même tard, donc je vais me faire à manger. Et je pense que je vais pas faire grand chose de plus dans la journée. Je vais monter une vidéo, tout ça, mais sinon je vais pas faire grand chose de plus. Donc on se retrouve demain. Qu'est-ce qu'on a au programme? En fait, il est déjà 16h à l'heure où je commence ce vlog. Je vais fermer la porte de mes toilettes parce que c'est pas forcément une vue que vous avez envie de voir. J'ai plein de colis à envoyer pour Vinted. J'ai revendu des trucs parce que j'ai un projet de faire beaucoup d'économies cette année pour faire tous mes projets, le permis, le déménagement, la chaîne Twitch. Là, je suis archi motivée. Je suis en train de tout vider. Enfin, vous voyez, j'ai fait le tri dans plein de mes livres. J'ai vendu tous mes mangas et tout. J'ai un petit peu smoker. Mais du coup, voilà, ça va me permettre un petit peu d'économiser, de mettre de l'argent de côté pour tous ces projets parce que je procrastine en fait. C'est ça mon problème. C'est que j'ai plein de projets qui coûtent de l'argent, mais je mets absolument aucun sou de côté. Du coup, là, je suis en train de remédier à ça. Je sais pas si vous connaissez la technique, enfin le système des enveloppes. J'ai pas l'impression que c'est très connu en France pour gérer son budget, mais en tout cas, les Américaines, elles font que ça. En ce moment, je regarde que des vidéos de ça. Et en fait, c'est un système où du coup, tout ton salaire, enfin tout ton salaire, toute la partie de l'argent que tu dépenses quotidiennement par mois pour ta nourriture, pour tes extras, pour les restos, etc., tu retires tout en liquide. Donc il y a plus rien sur ton compte sauf les virements automatiques que tu dois faire pour tes abonnements, pour payer ton loyer, etc. Tout le reste, tu le retires en cash. Et en fait, cet argent-là, tu vas le dispatcher dans différentes enveloppes. Donc, tes enveloppes d'épargne, tes enveloppes pour tes dettes, tes enveloppes, bah, du coup, justement, pour manger tous les mois et tout. Ça permet vraiment de savoir exactement chaque centime, chaque euro de ton salaire, dans quelle catégorie il va aller. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça directement sur Excel et tout, mais je suis quelqu'un de très visuel. J'aime beaucoup passer des commandes sur Internet. Et quand j'ai de l'argent qui rentre comme ça, je pense pas forcément après à me dire, ouais, j'ai 300€ qui doit partir automatiquement là-bas, etc. Mais en ce moment, du coup, j'essaye vraiment de remédier à ça pour avoir zéro dette
être à la fin de l'année, avoir payé mon permis et avoir déménagé. Donc c'est trois gros objectifs qui coûtent beaucoup d'argent, les trois. Donc si jamais vous êtes intrigué ou que vous êtes dans la même situation que moi ou que vous voulez en savoir plus sur ça, j'ai créé une deuxième chaîne YouTube parce que j'avais pas envie de surcharger ma chaîne principale. C'est clairement pas le sujet, je pense que ça intéresse vraiment pas beaucoup de monde. Du coup je pourrais parler un peu plus ouvertement et librement et sans prendre la tête du coup de ce sujet là sur cette chaîne. Mais bref, voilà, du coup je pose ça là si jamais vous êtes intéressé. Et bref, je parle trop, il doit être déjà 16h là alors je vous parle. Cette intro était très longue, mais tout ça pour dire que du coup j'ai vendu des trucs sur Vinted parce que ça commence par là, il y a plein de trucs dont je me sers pas. Du coup je vais faire ça rapidement. Attendez, parce que là je suis en train de vous parler Du coup il faut juste que j'imprime un seul papier. Et à 16h je dois être chez moi parce que mon agence m'appelle. J'ai plein de projets en tête, etc. Du coup je vais en parler un petit peu avec mon agence et je leur ai dit que j'étais dispo à partir de 16h, donc faut que je sois chez moi. Ah, la lumière du jour. Oh là là! Bon, attendez. Non? Non. Alors. Est-ce qu'on serait pas mieux comme ça? Alright! Petit retour! Je sais pas du tout où je vous ai laissé dans le vlog, je crois que j'étais en train de déposer des colis, du coup j'ai tout déposé, ça c'est fait. Ah oui, non, j'ai appelé mon agence, du coup je vous ferai une petite update après. Mais alors, parlons de budget. Écoutez les gars, franchement, j'ai dettes. Je sais pas ce qui m'arrive là. J'avais un budget de 20€ pour les courses pour la semaine. J'en ai eu pour 19,84€. Du coup, ce que j'ai pris, c'est des steaks parce que je mange pas beaucoup de viande en ce moment. Je pense que la prochaine fois que j'irai en course, je m'achèterai du poulet parce que là, clairement, j'ai 10 steaks et je vais pas manger 10 steaks en une semaine. Ça va me tenir peut-être 2 semaines, 3 semaines, voire plus. Donc, anyway, du PQ. Ensuite, yaourt nature. J'ai pris du coup des tomates, une mozza du coup pour aller avec les tomates. J'ai pris du pain de mie, des petites mandarines, un jus de pomme. J'ai pris aussi une brique de lait, des bananes et des sacs plastiques parce que j'en avais plus. Et c'est tout pour les courses de cette semaine. Nouveau jour aujourd'hui, je suis en train de me préparer parce qu'avec une copine on va aller faire un shooting. Il fait pas très très beau mais on va peut-être essayer de trouver un parking ou un truc comme ça. Du coup voilà, parce que comme je vous ai dit dans mes précédents vlogs, en ce moment j'essaie d'être grave active sur Insta, de vous poster une photo par jour et tout. Donc il faut bien que j'alimente ce contenu. Du coup je vais prendre plein de tenues avec moi, on va se changer et tout. Et on va essayer d'être assez productif. Ah oui, et du coup hier je vous ai même pas dit au final le bilan, vous savez, de mon appel avec mon agence. Du coup on a discuté etc. Et je me suis rendu compte, et on s'est rendu compte donc avec mon manager, que peut-être qu'il fallait que je prenne mon chemin de moi-même parce que c'est ni de la faute de l'agence ni de ma faute, mais je trouve qu'on s'est plus ralenti qu'autre chose, dans le sens où moi j'avais pas mal de projets, j'ai eu pas mal de soucis perso ces dernières années qui font qu'au final on n'a pas forcément accompli tout ce qu'on voulait accomplir ensemble. Et là, étant donné qu'en ce moment j'essaie de vraiment prendre mon tournant perso, où voilà, je me suis beaucoup remise en question aussi sur les réseaux. Il y a un moment où je voulais arrêter YouTube et Insta et tout ça et retourner dans l'ombre, on va dire. Et bref, maintenant que je sais vraiment ce que je veux, je me dis qu'il serait peut-être temps que du coup j'expérimente ça de moi-même, que je ne dépende plus d'une agence en fait, tout simplement. Et donc j'ai quitté mon agence. Donc voilà, maintenant je suis 100% à mon compte. J'ai plus de manager. Donc ça me fait très bizarre de me dire ça, parce que je sais pas si vous me suivez depuis très longtemps ou pas, mais en fait j'ai signé dans cette agence, c'était du coup en 2019. Et c'était au moment où voilà, j'étais pas encore super connue. Enfin, j'avais pas encore 100 000 abonnés sur YouTube, vous voyez, j'avais pas, je crois j'avais même pas 50 000 je crois, enfin où je venais juste de les avoir, enfin bref, c'était vraiment à mes tout débuts. Et quand j'ai signé, c'est vrai que bah, c'était vraiment un accomplissement pour moi quoi, parce que je me disais putain, je suis dans une agence, j'ai un manager qui va s'occuper de moi, enfin c'était vraiment pour moi, ouais voilà, un accomplissement, j'étais super contente. Et au final, bon, il n'y a pas eu que du négatif hein, en étant en agence. Au final je me rends compte que je travaille mieux en fait de moi-même, quand je compte que sur moi-même j'arrive mieux à travailler, à me gérer etc, que de toujours devoir entre guillemets rendre des comptes à une agence. C'est pas pour moi pour l'instant.
l'instant, donc voilà. Comme c'est nouveau pour moi le fait de travailler toute seule, je sais pas trop ce que ça va donner. Du coup, tous les contrats en fait qui étaient censés arriver, dont l'agence devait s'occuper, du coup là c'est moi qui les gère, donc c'est moi qui parle aux marques, etc. Et c'est vrai que quand t'as une agence, du coup c'est le manager qui fait tout ça pour toi. Donc c'est un peu nouveau pour moi, du coup j'ai commencé un peu à négocier des contrats et tout. C'est très responsabilisant, on va dire. Et voilà, mais ça me déplaît pas du tout, au contraire, parce que du coup je peux vraiment avoir la main entre guillemets sur tout ce que je veux vraiment. Vraiment les partenariats, enfin comment j'ai envie qu'ils se déroulent, etc. Le budget, enfin vraiment c'est de tout ça dont je vais m'occuper, de tout en fait. Et voilà, donc à voir, à faire, à suivre. Mais en tout cas ça me soulage vraiment qu'on ait été sur la même longueur d'onde sur cette décision là avec mon agence. Que en fait j'y réfléchissais depuis un moment de quitter l'agence, mais d'un autre côté je me disais ouais mais peut-être qu'ils ont des projets pour moi, et voilà c'est juste dans ma tête ou bref. Et au final du coup quand je leur en ai parlé, bah ils étaient pas contre, et voilà, donc je suis très contente. Voilà, je verrai bien 2022, là ça s'annonce assez particulier pour moi parce que j'ai beaucoup, pas mal de changements, enfin j'ai envie de mettre en place beaucoup de projets et je suis en train de les mettre en place, je suis en train de bouger le cul enfin pour tout mettre en place du coup. Du coup voilà quoi, petit update. Je sais pas si ça intéresse beaucoup de monde hein, mais c'est vrai que, pardon, on se rend peut-être pas compte en fait quand on regarde des vidéos etc, mais derrière les influenceurs, derrière les youtubeurs etc, bah il y a pas mal de monde généralement qui sont derrière eux pour gérer en fait leur image, pour gérer un peu tout en fait, pour gérer les partenariats. Et du coup bah là c'est vrai que je vais être 100% moi-même, enfin dans le sens où je vais devoir compter que sur moi-même pour 2022. Ce qui n'est pas plus mal je trouve, parce que voilà j'ai vraiment envie de me développer comme j'ai envie de me développer moi, avec les marques avec lesquelles j'ai envie de travailler etc. Donc voilà, j'espère que ça va le faire, mais franchement je suis hyper contente. Du coup il est quelle heure là? J'ai rendez-vous du coup à 14h et on va aller prendre des photos. J'ai oublié de mettre mes fossiles, bon je les mettrai après. Purée, j'ai envie de mourir. J'ai rien fait de la journée. Enfin si, justement. J'ai passé ma journée sur un putain de montage. En fait, je voulais absolument vous poster la vidéo pour demain. Du coup, il fallait que je finisse le montage. Mais j'avais envie de faire plein de trucs aujourd'hui. Et au final, j'ai passé la journée devant mon ordi. Donc j'ai un peu le seum, mais au moins c'est fait. Je suis contente parce que j'ai passé 2 jours entiers sur ce montage. Donc j'en peux plus. Je vous ai pas trop filmé du coup ces derniers jours, donné que j'ai rien fait de spécial. Hier, je suis allée manger avec mon papa. Ça faisait super longtemps. On a fait de la musique et tout. C'était vraiment trop cool. Et ça m'avait trop manqué. If I had it my way, you would know that you are. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. I just wanna see this part. Et demain, je pars au ski. Ça fait super longtemps que j'ai pas skié. Enfin, ça fait l'année dernière en fait. Ils annoncent pas beaucoup de neige là où je vais. Mais apparemment, on peut quand même bien skier avec la fausse neige et tout. Et moi, ça me dérange pas plus que ça. Donc, on va se contenter de ce qu'on a. Hein, je pense que c'est la dernière fois où vous voyez ma tête dans ce vlog. Là, je suis en train de me faire couler un bain. Quel bonheur, je vous jure ça fait trop longtemps que j'ai pas pris de bain et là je le mérite en fait. Du coup je vous dis au revoir maintenant, vous aurez quelques vidéos de demain je pense et puis on se retrouve dans le prochain vlog. Ah oui, et tout à l'heure j'ai filmé un mini unboxing, c'était assez satisfaisant à faire, un peu ASMR vibes, franchement j'ai bien aimé. Donc j'espère que vous allez kiffer aussi.